Wesh, la famille. De quoi? Bonsoir tout le monde, bonjour. Alors Ramousse, les Ramousse, les noyaux noyaux. Alors je sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé. Ça va Christian? Ça va Eric? C'est passé un truc grave. Hier, avant-hier plutôt. Avant-hier, ils ont attrapé un gars. À coup de barre de fer, ils l'ont pris. À cause de Ramousse. Hein, Ramousse, ça va Valérie? Ramousse, le petit PD là. Ah et toi Jerwing, t'as quoi toi avec moi toi? Tu veux quoi? Ton copain là, j'ai vu un petit message là. JR, je veux un message de ton petit copain. Comme quoi, il voulait monter sur un ring avec moi. Ah ben dis-lui quand il veut, où il veut. Moi mon ring il est là. Tu comprends? C'est ça mon ring à moi. Il est là mon ring. C'est là-dedans mon ring, photo. Tu comprends? Voilà. Moi, il n'y a pas de ring. Moi, tu viens là, c'est la rue, c'est la street. Bon, alors à cause de ce monsieur Ramousse, il y a un petit jeune de 19 ans qui a morflé. Coup de barre de fer, il a fini dans le coma. Alors Ramousse, tu es un voyou, toi. Hein, Ramousse? Tu agis comme un voyou quoi. Attends, c'est pas fini. J'entends aussi que tu menaces des femmes. Tu vas devant chez des femmes, chez des gadis. Tu cherches à avoir l'adresse des gadis. T'es modératrice. Bonsoir tout le monde. Hein. Excusez-moi si je dis pas tout le monde bonjour. Bonjour. Hein? C'est ça. Tu menaces. Tu menaçais les gens, normal, tu t'es pris pour un gangster, tu t'es pris pour un voyou. Hein Ramousse? Ramousse, vaut mieux pas qu'on tombe ensemble, toi et moi. Je te le dis. Je te le dis. Et le noyau noyau? Le FN dans toute sa splendeur, lui. De toute façon, je ne vais pas vous répéter les mêmes choses, hein. Sinon, ce serait que me répéter. Vous savez ce que je pense de ces gens. Vous voyez? Tiens, c'est ça la chienté, poteau. C'est la chienté. Je promène. Je vous fais un peu visiter. Hein? Au JR Iwinga, au Bilal Hassani. Tu veux quoi toi? Tu veux que je t'encule une fois pour toutes ou quoi? Hein? Est-ce que tu veux que je t'encule une fois pour toutes? Franchement, ça peut être difficile pour moi. Je t'ai vu cavaler avec l'autre là, je sais plus comment il s'appelle là. L'autre il est handicapé, t'as fait cavaler. Tu te rends compte? Un handicapé, t'as fait courir. Alors imagine-toi moi, que je suis pas handicapé, ce que je vais te faire. Hein? Tu vas courir plus vite que sur le Bolt. Je te jure. Non, ouais, il est devenu un reine. Vous allez voir ces gens-là. Dans 5-6 ans, ils auront un parti politique. Ils vont monter leur parti politique. Ils vont monter tout ça, vous allez voir. C'est des cols bendites. Quand je vous dis que c'est des cols bendites, c'est que c'est des cols bendites. C'est tous des cols bendites. Ah, j'ai rien, il pense même à manque de ce qu'il veut.
Mais il y a un truc que j'ai bien aimé. Il y en a un qui veut me prendre sur un ring. Et je les converse. Hein. Tu peux pas le nier. Je les conversations. Il veut me prendre sur un ring. Je te prends où tu veux, quand tu veux. Voilà. Hmm. Bon alors, je vous raconte toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Alors en fait, il y avait un gars sur internet, il était en train de dénoncer toute leur enculerie là, tu vois, les cagnottes, tout ça, il était en train de tout dénoncer. Ouais, lui il m'a pris pour, mon ring c'est la rue, moi viens, je te fais montrer, coup de barre de fer je te prends, il n'y a plus de boxe là, ça n'existe plus, on n'est plus dans le monde de la boxe là. Et il dénonçait Ramos, Noyau, tous ces gens-là. Et Ramos, qu'est-ce qu'il a fait? Ben Ramos, il a mis son adresse. Il a mis sa photo. Il a tout mis. Et avant-hier, des mecs sont venus attraper le jeune. Ils l'ont pris à coups de barre de fer. Et ils l'ont mis dans le coma. Ça veut dire que moi qui dénonce ces gens-là, vas-y toi, moi qui dénonce ces gens-là, ça veut dire qu'ils peuvent me faire la même. Ah ben moi j'attends que ça. J'attends qu'ils mettent mon adresse, j'attends qu'ils prennent ma photo, mettez-la moi. Mais moi ils le feront pas moi. Moi ils le savent. Moi ils me craignent. Ils savent mes antécédents. Ils savent tout. Ils savent qu'avec moi faut pas s'y frotter. Ils savent qu'il faut pas se frotter à moi. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils se frottent à moi, ces gens-là. Pourquoi ils veulent pas se frotter à moi? Ils savent à qui s'affrotter. C'est des hagals. Moi, j'appelle ça des hagals. Tu vois? Ils s'en prennent toujours au plus faible. Mais quand il y a quelqu'un qui est plus fort, qui est plus fort que devant, là, c'est fini. Il n'y a plus de gueule. Il n'y a plus personne. Et ouais. On préfère s'attaquer à un faible, sur qui on a la maîtrise, qu'un mec comme moi. Parce que moi, ils savent que moi, je ne vais pas rigoler avec eux. Moi, tu m'achètes pas. Il n'y a pas de tout ça avec moi. Moi, je suis trop sincère pour vous. Je suis trop sincère. Et personne n'achètera ma sincérité. Personne n'achètera mes principes. C'est pas à vendre. Mes principes et ma sincérité, c'est pas à vendre. Mais eux, ils ont vendu, ils ont donné leur cul. Ils ont donné leur cul à fond. JR et Wing le suceur. Alors lui c'est le premier à sucer la première bite qui passe. Je vous dis la vérité. La première bite qui passe, c'est le premier à la sucer. Il se régale. Hein. Ah, il se régale à fond. Ah ouais. Gigi. JR. Je suis à Marseille. Je suis à Marseille, frérot. Je suis dans quelle ville? Tu le sais dans quelle ville je suis. C'est des bâtards. Oh, le jeune, ils l'ont mis dans le coma, le jeune. Ils ont pris le jeune, ils l'ont éclaté, ils l'ont mis dans le coma. Des bâtards, c'est. Ah, tous des gratteurs, c'est Nico. C'est tous des crasseux, des clochards, c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ramos. Tu as peur de moi? Hein, Ramos? Je vous fais tout stresser. Tous les liveurs, là, je les fais tous stresser. À moi seul, je leur ai fait la misère. À moi tout seul, bon, j'ai aussi une équipe. Hein. Il y a Tita, il y a Martial, il y a Rosa, il y a. Tu vois, je suis bien entouré aussi. Ah ben, on leur fait la misère. C'est une salade de fruits.
Ça, c'est une salade de fruits, les gars. En tout cas, j'ai la haine. Hein. La vérité, j'ai la haine, je sais pourquoi. Parce que sur ma mère, ils ont attaqué un minot de 19 ans. Ils l'ont mis dans le coma, c'est pas bien. C'est pas beau. Ça, c'est pas joli. Alors, c'est comme ça que vous procédez. Dès qu'il y a un mec qui vous dénonce, vous envoyez... Il m'avait demandé que quoi je me mettais. J'avais dit que sa publication, c'était du fake. Tu ne pouvais pas être ami. Oui, il m'a viré, bien sûr. C'est un raciste. Jerry Wing, c'est un raciste. Je vous le dis. Et c'est pas parce qu'il a la tête d'un rebeu que c'est pas un raciste. Hein. Voilà. Il est raciste contre les gitans. Ça, c'est certain. Je vous en ai donné la preuve. Hein. Et, vous, et les gens, ils osent marcher avec lui. Ils ont attaqué un mec qui s'appelle l'homme masqué. Marvin, il s'appelle. Le petit jeune, il s'appelle Marvin. Ils l'ont mis dans le coma. Là, là je suis dans la chienté, là, les gars. Je te jure. Il commence à faire chaud, hein. Je marche là. On va y aller plus tranquillement. Bon, il me reste 20% sur ma batterie. Ça coupe, ça coupe. Et ouais. C'est ça le plus grave. C'est qu'on regarde leur procédure comme ils procèdent. Ils se font loi eux-mêmes. L'autre le dénonce, normal. Et normal. De dingue. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Hein. Les gens, ils laissent. Les gens, ils laissent faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, l'argument, j'ai pas de rebeux. Ça, c'est du bidon. Il y a des rebeux racistes. Bien sûr, il y a des noirs, il y a des rebeux racistes, il y a des noirs racistes. Faut qu'il arrête. Regarde, JR, on te jette là, nous. Tu vois, je te dis, c'est là-dedans qu'on te jette, nous. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps, frère. Tu comprends? Là, c'est le ghetto, frère. Là, tu es dans un ghetto. Tous ces gens-là, les Ramous, les Falki, les Noyaux-Noyaux, hein, les Jerry Wing, les Abdel Zahiri, les Mike Rambo, les Gabins, les petits Gabins. Hein? Venez vous aventurer ici, venez. On va faire montrer, nous, on va faire des cagnottes. Venez. Tu veux faire des cagnottes? On va te mettre au charbon, on va te mettre. Tu vas voir. Ils veulent pas me prendre. Hein. Ils veulent pas que je monte avec eux. Voilà, c'est des prostituées du net. C'est des grosses prostituées, c'est. Et ils pourront dire ce qu'ils veulent, ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais la rue ne les a pas validés. Les gars, la rue vous a pas validé. Qui c'est ça? La rue, elle les a pas validés. Donc à partir du moment où la rue les a pas validés, c'est mort. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Comment la valider? Salut frérot. Ça va? Et toi gros? Ça va. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Qu'est-ce que ça fait? Tranquille toi.
C'est d'où toi? C'est la première fois que je te vois. Je viens du Québec. Du Québec? Yes, sir. Ouais, viens mon frérot. Vive le ça Québec. Ça va, ça va. Ça va ou quoi? Oui. Et chez vous, ça se passe comment alors au Québec? Tranquille, tranquille. Tranquille, hein? Toi, t'es Toi, en tu écoutes France? quoi? Ouais, moi je suis de France, moi. Mais comment tu fais pour venir arriver, atterrir là, là? Connais du monde. Moi, j'habite en France, mon frère. J'habite à Marseille. Regarde, c'est la chienneté ici, frère. C'est les ghettos. La ville de taxi. Comment? La ville de taxi. Voilà, c'est la ville de taxi avec Samina Siri. Mais viens-tu vraiment de France, lui? Comment? Samy Saint-Cyr, viens-tu vraiment de France? Ça mène la série, oui, là, il est en France, lui. C'est un Français. Voilà. Bon, mon frère, je vais te laisser parce qu'on est en train de parler. Tu as vu? C'est cool. Tranquille. Ciao, mon frérot. Alors là, franchement, je sais pas. Il y a du Québec, il y a, je sais plus. Bah oui, allez, j'en étais. Quand la rue te valide, si la rue t'a pas validé, tu pourras faire ce que tu veux. La rue t'a pas validé pour toi. C'est tout. Tu pourras chanter, danser, faire ce que tu veux. Mais si les gens de la rue, de la vraie rue, je te parle, pas. Je te parle de la vraie rue. La vraie street. Si la vraie rue te valide pas. Ah ben, tu peux continuer à faire tes lives à la maison. Mais si la rue t'a validé, si la rue te valide, ah ben là, tu peux rien faire pour toi. Tu n'es pas plus fort que la rue. Vous n'êtes pas plus fort que la rue. C'est pas possible. Si la rue te valide, ça y est, c'est fini, mon pote. Une fois que tu es validé par la rue, par la vraie rue, ça y est. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Ne peut plus rien t'arriver. Parce que là, c'est la rue qui t'a validé. Mais vous, est-ce que la rue vous a validé? Vive Gambino Idoul, c'est le tueur. Gambino, Gambino, c'est un bon Gambino. Vive Gambino. Félix. C'est un bon, il connaît. La vérité, les montées, c'est un vérité, c'est un fan. C'est un mec qui écoute mon rap, en fait. C'est pas un mec qui est dans le combat. Ben ouais, des gens du Québec qui écoutent ce que je fais. C'est pas de ma faute. Et regardez, je me prends même pas la tête. Ça m'écoute jusqu'au Québec, ça m'écoute jusqu'au Bled, ça m'écoute. C'est ça, Félix, tu écoutes mon rap. Merci de ton soutien, mon frère. Ça fait plaisir. Sous les cocotiers. Voilà. Je vais vous laisser. N'oublie jamais. Gladiator, validé par la rue. Certifié par la rue. Tu pourras faire ce que tu veux. Jerry Wing, les noyaux, les Falky là, les gabins là, toutes ces merdes là. Quand vous serez validé par la rue, on en reparlera. Pour l'instant, vous n'êtes pas validé par la rue, la famille. La rue, la vraie, frère Nico. La rue, la vraie. Si la vraie rue ne les a pas validés, c'est mort. Ils peuvent faire des lives jusqu'à 80 ans. La rue ne les validera pas. Tu le sais, Nico, tu me connais, mon frère. On est de Marseille. La rue, nous, elle nous a validés, frère.
Tu peux rien faire. Quand la règle t'a validé, ça y est. Ça veut dire que c'est validé. Mais la rue ne les a pas validés. C'est dommage pour ces gens. Bon, JR, je vais te laisser, poto. Tout là, les ramousses, là, les machins comme ça, là. Ceux qui n'ont pas été validés par la rue. Hein? JR, dis à ton copain, là. C'est quand il veut, où il veut. Même s'il veut, hein, dans la rue. Il m'a fait suer, Albator. Purée, il m'a pris le chou. Tout l'après-midi. Karim, on les jette là-dedans, ces gens, c'est fini pour eux. C'est fini. Tiens ma parole. Je connais tous les quartiers, ma soeur. Tout, tout. Moi, il m'arrivera rien, je suis validé. Mais eux, ils ne sont pas validés. Et ouais. J'arrive plus à suivre. Alexa, elle est partout. Sur TikTok. Là, là. J'arrive plus à me suivre. Bon, je vous laisse, la famille. C'était un message pour Ramous, JR, Noyau Noyau, Gabin, tous ces gens-là. Non, je ne mets pas en danger, moi. C'est eux qui sont en danger. Mais où suis-je, moi? C'est eux qui sont en danger. Bon, je vous laisse, la famille. À tout à l'heure encore sur TikTok.